Comment ne plus perdre son temps avec un homme Comment réussir à prendre le contrôle, mesdames, et à ne pas lâcher la relation tout en ayant tout simplement une incidence sur votre partenaire Vous êtes en compagnie d'un homme, un homme qui ne s'investit pas assez, ou alors vous avez l'impression de ne jamais rencontrer le bon, alors j'ai trois astuces pour vous aujourd'hui. La première astuce, c'est que la séduction demande à ce que vous soyez capable de prendre le contrôle. C'est à l'homme de venir vous conquérir. Pour ne pas perdre votre temps, vous devez mesurer quel est son degré d'investissement pour vous conquérir Est-ce qu'il essaye de vous charmer Est-ce qu'il s'investit à trouver et à être original, à trouver des bonnes idées et à être original Et troisième point, est-ce qu'il se fait beau Est-ce qu'il essaye de tout faire pour conquérir votre cœur Si vous avez un homme qui est plutôt baba cool et qui n'essaye pas forcément de vous charmer, faites attention parce que vous pourrez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il ne s'investisse pas dans la relation. Deuxième astuce pour éviter de perdre son temps avec un homme, c'est tout simplement de jauger. Est-ce que vos caractères sont compatibles Parce qu'il y a forcément des situations qui sont incompatibles. Et pour cela, il n'y a pas de miracle. Il faut que vous ayez un projet de vie qui soit commun. Ce qu'il y a de plus important dans une relation, c'est le pourquoi. Pourquoi on se bat au quotidien Pourquoi, lors d'une crise, on essaie de chercher des solutions pour s'en sortir Pourquoi on se met en couple Et ce pourquoi, en réalité, il est toujours défini par le projet commun que vous allez avoir. Très souvent, on veut fonder une famille, acheter une maison, etc. etc. Mais. Parfois, il faut aller encore plus loin et savoir quel est réellement votre projet de vie, ce que vous aimeriez accomplir dans votre quotidien et bien faire attention que cela coordonne avec votre partenaire. Et enfin, la troisième astuce pour éviter de perdre son temps avec un homme, c'est tout simplement de vous rendre compte que lorsqu'un homme n'est pas amoureux, il va forcément être distant. Donc si vous avez un homme qui n'est pas totalement amoureux, vous allez vous battre pour rester en couple avec cet homme, pour construire une relation même sur des bases qui sont instables, alors que votre décision devrait être de partir. Parce que lorsqu'un homme n'est pas réellement amoureux, soit vous prenez la fuite et il se rend compte de ce qu'il perd, soit vous allez batailler pour une relation qui sera toujours instable et la rupture n'est jamais bien loin. Voilà comment éviter de perdre du temps avec un homme, premièrement en écoutant vos envies, c'est-à-dire de prendre des initiatives, de construire une relation où vous êtes le prix, deuxièmement en faisant bien attention qu'il s'investit dans la relation et surtout que vos caractères sont compatibles. Si jamais vous n'êtes pas amené à avoir le même projet de vie, ne vous lancez pas dans une relation, vous allez perdre de votre énergie. Et enfin, le troisième point si un homme se dit pas amoureux, attention, ne vous battez pas pour essayer de le faire tomber amoureux, car vous allez surtout vous mettre en demande, et sur le long terme, la relation se terminera par une rupture. Mesdames, c'est à vous de jouer, c'est à vous de prendre votre séduction en main, de toujours rester la femme fatale à conquérir pour que ce soit l'homme qui fasse tous les efforts. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mesdames.